Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous donner une astuce super intéressante sur Destiny, puisqu'il s'agit d'un événement spécial que très peu de personnes connaissent, donc qui a été révélé il n'y a pas très très longtemps et qui permet de farmer très rapidement et très efficacement les lumens, les engrammes ou de monter vos armes. Vous allez voir, c'est super super efficace. Donc tout d'abord, le lieu de l'action, c'est ici, dans cette zone précisément, où vous pouvez vous rendre en allant directement à droite lorsque vous spawnez en exploration sur Vénus et en passant par le petit souterrain des archives et en continuant toujours dans les couloirs des archives. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité de cleaner entièrement la zone, ce que je vous recommande pour être plus tranquille dans un premier temps. Donc une fois que vous avez nettoyé complètement la zone, vous allez pouvoir vous rendre à l'endroit précis du déclenchement de l'événement et vous allez voir que c'est juste exceptionnel. Donc quand vous êtes ici au niveau du passage qui prolonge vers le Nexus, vous avez une petite salle qui se trouve juste sur votre droite, ici même, et vous allez pouvoir vous rendre à l'intérieur et attendre bien sagement que l'événement se produise. Donc certaines personnes disent qu'il se produit environ toutes les 30 minutes, il faut donc vous armer un petit peu de patience, mais vous allez voir que ça en vaut le détour puisque cet événement est vraiment exceptionnel. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'événement se déclenche, vous avez la petite phrase « nos ennemis se jettent les uns sur les autres » qui s'affiche en bas à gauche de votre écran et vous n'avez plus qu'à vous rendre, à rejoindre ce cœur de la salle et attendre bien sagement que les ennemis spawnent de façon continue. Donc toute l'astuce, bien évidemment, c'est d'activer un polyphage que je n'ai pas pour la capture de cette vidéo, mais bon, vous imaginez bien qu'un polyphage bleu avec le nombre de vex qu'il y a va être très très utile et vous allez pouvoir faire vos kills, donc soit à l'arme si vous souhaitez tout simplement monter l'une de vos armes ou tout simplement pour faire des lumens, vous n'avez qu'à déclencher de façon successive votre super. Et là, vous allez voir que ça va spawner de façon illimitée pendant environ 5 à 8 minutes. C'est vraiment très très long. Donc là, le plus intéressant, bien évidemment, c'est d'être en chasseur. Si vous avez plusieurs classes, n'hésitez pas à prendre le chasseur et à mettre la petite particularité qui se nomme sursis, qui va vous permettre d'avoir votre durabilité de lame un peu plus longue. Si vous avez les autres classes, pas de problème, ça marche également pour le titan, pour l'arcaniste avec la classe abyssale. Le plus intéressant toujours, c'est vraiment d'essayer de récupérer et de générer un maximum d'orbes de lumière afin de pouvoir donner encore plus de durée à cet événement. Donc c'est un événement spécial que vous pouvez faire en solo ou à plusieurs. En solo, il faut bien gérer votre timing. À plusieurs, il suffit simplement de déclencher vos supers les uns après les autres en attendant bien sagement son tour et vous allez voir que ça reste très efficace. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'être juste deux personnes. Comme ça, vous enchaînez les supers sans pour autant vous prendre tous les kills, tous les points, tous les lumens, donc c'est là où ça devient vraiment super intéressant. Voilà, c'est tout pour cette petite astuce, je remercie au passage Poseidon qui a fait cette vidéo avec moi. Si vous avez aimé ce clip, n'hésitez pas comme toujours à le partager, à le liker ou à me laisser vos impressions en commentaire en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao ciao !